Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est monsieur Emmanuel Issoze Ngondé, ministre des Affaires étrangères du Gabon. Bienvenue monsieur le ministre. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le ministre, le chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale a appelé au nom de la communauté internationale votre pays à un dialogue politique inclusif. Cet appel a-t-il été entendu? Vous savez, il y a plusieurs façons d'examiner le problème du climat politique au Gabon. Monsieur Battili pense qu'il faut cerner ce problème à travers le dialogue. La réalité est tout autre. La réalité est que le dialogue a de tout temps été le pilier central du modèle de gestion politique au Gabon. Et le président Ali Bongo Ondimba, depuis qu'il est élu, a toujours été dans des dispositions de mener avec l'opposition un dialogue politique constructif. Donc il y a une continuité du dialogue? Il y a une continuité du dialogue. Je prends des exemples très frappants. Vous savez, lorsque on a pris la décision d'introduire la biométrie dans le système électoral, il y a eu une large concertation. C'est une idée préalable de l'opposition. C'est une réclamation de l'opposition. Le parti au pouvoir a pris acte de cette proposition et des concertations ont été engagées. Et il en a résulté une réforme fondamentale qu'il faut saluer, c'est-à-dire l'introduction de la biométrie dans le système électoral. Et depuis lors, la première élection qui a été organisée sur la base de ce système de biométrie, ce sont les dernières locales. Et chose qu'il faut souligner, les résultats de cette élection locale n'ont jamais été contestés. Il y a d'autres sujets, le pacte social, un programme proposé par le président de la République pour engager une lutte vigoureuse contre la pauvreté et la précarité, a été discuté avec plusieurs partis. Il en est de même de plusieurs sujets. Donc le dialogue est permanent. Ce qui est important, c'est de savoir comment les acteurs politiques se positionnent par rapport à la loi, par rapport à l'ordre constitutionnel et par rapport aux préoccupations fondamentales des populations. Par rapport aux préoccupations fondamentales des populations, il faut avoir des offres politiques. Le PDG et la majorité ont une offre politique viable. Aujourd'hui, pour vous, l'opposition n'a pas d'offre politique? Il n'y a pas d'offre politique. Discutez avec l'opposition, posez-leur la question, et ils ne vous donneront aucune réponse sérieuse. Parce que le PDG et la majorité, comme je le disais, ont une offre politique viable, c'est le plan stratégique Gabon émergent. Demandez à l'opposition qu'il s'agisse de l'union des forces du changement, qu'il s'agisse de l'union des forces pour l'alternance, encore moins le front uni de l'opposition pour l'alternance. Il n'y a pas d'offre politique viable. Et qu'est-ce que nous constatons? Surtout pour l'union des forces, pour le front uni de l'opposition pour l'alternance. La seule offre politique, c'est l'insurrection. Ils refusent, les animateurs de cette formation refusent de participer à la prochaine élection présidentielle, ce qui est un rejet de l'ordre constitutionnel actuel, et ont pour offre politique, l'insurrection, ça veut dire qu'il recourt à la mobilisation de la rue pour créer le chaos. Alors peut-être souhaite-t-il un dialogue sur le mode de scrutin? Le mode de scrutin, il évolue à plusieurs reprises. Il n'a jamais cessé d'évoluer. Donc ça ne peut pas être aujourd'hui une revendication fondamentale dès lors que depuis des années, il y a souvent eu des discussions fructueuses et positives, soit à l'initiative du pouvoir, soit à l'initiative de l'opposition, et qui ont permis d'améliorer le mode du scrutin. Donc, en réalité, ce sont des subterfuges. Aujourd'hui, présenter le mode du scrutin comme étant un élément essentiel du dialogue politique, ça me paraît une volonté de tromper la population, de tromper le peuple, parce que le peuple, ce qu'il cherche aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les politiques s'intéressent à leurs préoccupations fondamentales. Et pour apporter des solutions à ces préoccupations fondamentales, il faudrait que les partis politiques formulent des offres politiques. Le PDG et la majorité ont une offre politique, c'est au PSGE. L'opposition, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas encore réussi à nous présenter une offre politique viable. Alors, monsieur le ministre, une question sur la situation sous-régionale. On parle souvent en ce moment de sécurité, que ce soit avec Boko Haram, que ce soit avec la Centrafrique. Est-ce que le continent, est-ce que la sous-région a en ce moment les moyens d'organiser sa sécurité? Vous savez, le terrorisme est un fléau qui ne peut laisser personne indifférent. Aucun pays ne peut se sentir sécurisé face au terrorisme. Il faut une mobilisation sous-régionale, il faut une mobilisation continentale et il faut une mobilisation internationale. Pour ce qui est du cas
de l'Afrique, et particulièrement d'une certaine partie de l'Afrique, l'Afrique centrale, puisque vous évoquez cette sous-région, aujourd'hui nous constatons des incursions de Boko Haram presque quotidiennes au Cameroun. Le Tchad est aussi touché. Il y a eu des efforts au niveau de la Commission des pays du bassin de la Tchad, qui concerne le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria. Ces efforts sont louables. Et aujourd'hui, concernant la sous-région, la CEMAC avait songé, à l'initiative du président Ali Bongo Ondimba, examiner au cours du sommet qui était prévu au mois de décembre dernier, mais qui n'a pas pu se tenir, la CEMAC avait envisagé examiner cette question-là pour voir dans quelle mesure la sous-région pouvait formuler, organiser une riposte. La CEAC, qui est une autre organisation aussi de notre sous-région, a un mécanisme, le COPAX, et un pacte d'assistance. Il faut que la CEAC mobilise ces deux mécanismes pour que la sous-région s'organise, pour que la sous-région se mobilise. Aujourd'hui, nous avons un appel au niveau continental. L'Union africaine planifie de déployer une force multinationale. C'est une bonne chose. Nous allons voir comment ça évolue. Les discussions vont porter sur les contributions, le financement, les moyens à mettre en œuvre, et le Gabon sera attentif à l'évolution du dossier. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.